Ouf. Voilà, je suis avec le très révérend. Le très révérend prophète. Martial. Lui, Lui, Marcel, c'est... Martial, c'est l'homme qui nous a troublés hier avec des révélations prophétiques puissantes et surtout la révélation de la parole à nul autre pareil. L'homme de feu. C'était fort, mon frère. Foyer Banjoun, foyer Banjoun ce soir, ça va continuer. partir de Filme un 17h. peu, pardon. Tiens-nous ça comme ça. Foyer, Désolé. foyer Banjoun ce soir. À partir de 17h. 17h, ça sera. Nahelele, on va en finir avec. On va dire Yes. c'est bon, Cameroun, vous le finissez vous vite. Jusqu'au bras d'hier. Ça sera terrible. Foyer Banjoun, foyer Banjoun. Foyer Banjoun. Banjoun. Ce soir, à partir de 17h. Si tu n'as pas été là hier, tu as manqué. Satan va rendre gorge. Et dimanche, c'est au palais des congrès de Yaoundé. Donc, bien-aimé, tu écoutes ma tête, mon frère. Voilà, bien-aimé, foyer Banjoun. Ce soir, c'est la dernière soirée. C'est la dernière soirée, bon, pour ces 2 jours de coup double. Et dimanche, nous sommes au palais des congrès pour la suite. Qu'on ne te raconte pas ce qui se passe, s'il te plaît. Le culte des Sois familles. présent déjà ce soir à partir de 17h au foyer Banjoun. Pour la suite, délivrance, révélation, des révélations époustouflantes sur les œuvres de la sorcellerie. On va détruire l'autel de ta famille. Et ce soir, on va aller de façon, on va utiliser, on va employer une méthode, on va de destruction systémique et systématique de la sorcellerie. Homme de Dieu, les révélations hier étaient redoutables. Mon Dieu, c'était terrible. Surtout lorsque tu as parlé du bâton de Moïse dans la mer Rouge. Oui. Hein? Oui, parce que parfois on pense, on se pose bien la question, qu'est-ce qui a rempli l'eau en sang? Oui. Et avec l'Esprit de Dieu, j'avais reçu cette parole que non, quand vous lisez, d'ailleurs, quand vous méditez sur l'histoire égyptienne, vous allez remarquer que Pharaon aussi, comme c'était des gens hautement spirituels, était un caïman, comme il avait un caïman comme totem, ou encore lui-même, il représentait le caïman. Physiquement, c'était Pharaon. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, vous voyez le roi de Tyr. Il est le roi de Tyr, mais quand vous allez dans la profondeur des révélations, c'est la représentation physique du diable sur terre. Le roi de Tyr. Donc, Et c'était terrible. Alors le prophète nous a révélé hier que l'eau là est devenue le sang parce que quelque chose est mort dans l'eau. Yes. Quelque chose s'est passé dans l'eau. Quand Moïse a mis le bâton dans l'eau, la principauté marine a rendu l'âme. Et c'est ainsi que Israël a été sauvé. Yes. La puissance de l'Égypte a été vaincue ce jour-là. That's true. Bien-aimés, nous venons avec le bâton des prophètes Yes. pour tuer dans l'eau la forteresse invisible de ta vie et de ta famille. Yes. On va en finir. À chaque fois que Dieu veut sortir un peuple de l'esclavage pour Là, on voit l'amener le dans prophète. sa destinée prophétique, Dieu sort des prophètes. Yes. Ce soir, foyer Banjoun, à partir de 17h, ne manque sous aucun prétexte. Yes. Vraiment, ne manque pas. Et le Seigneur va t'apporter une délivrance telle que tu n'en as jamais vue. Donc, on va finir ce soir au foyer Banjoun et nous allons nous préparer pour le palais des congrès. On va se préparer pour le palais des congrès dimanche. Dimanche. Je vois quoi ta main, Léa. Dimanche. Bien-aimé, dis en commentaire dimanche. Dimanche. Dis dimanche en commentaire. Dimanche. Dimanche, le 31 mars, nous sommes au palais des congrès. Les trois prophètes pour apporter quelque chose de redoutable dans ta vie. Yes. Donc, par la grâce de Dieu, passons cette annonce autour de nous. Viens avec ta famille, viens avec tes enfants. La destinée de ton enfant sera sauvée, la tienne sera sauvée, ta famille sera délivrée. Nous sommes au foyer Banjoun du côté de toi, Meki. Et comme tu viens, le Seigneur te glorifiera dans ta génération. Sa gloire sera manifestée dans ta vie.
et la honte va quitter ta vie. Nous sommes tellement en train de partager, de méditer sur certaines réalités bibliques. C'est-à-dire que nous lisons la Bible depuis le matin, là, mon frère et moi, on est en train de... Nos têtes sont cassées, concassées par les proverbes. Parce que lui, c'est l'homme des proverbes. Mmh. Ça, c'est l'homme, le spécialiste de l'Ancien Testament. Quand il te sort des proverbes, là, c'est... Voilà, donc c'est un géant dans ces histoires-là. Donc nous sommes en train de travailler sur ça. Ce soir, Dieu va se glorifier puissamment. Et je vous exhorte que les trois manteaux étant là, ne restez pas à la maison. Que chacun vienne avec sa famille, ses amis, ses collègues. Oui. Ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Une âme, une grâce particulière. Tu peux amener quelqu'un et sa destinée change. Oui. Parfois, quelqu'un que tu amènes au Seigneur peut être même l'exaucement à tes prières. À tes prières. Donc, soyez là très tôt pour avoir des places assises. Oui, parce qu'il faut dire avouer qu'à 19h, oui, les gens étaient déjà dehors. Avant 19h, mais les gens étaient dehors. Donc, si vous voulez avoir une bonne place, venez très tôt. Dimanche, nous sommes parlé de congrès et il nous a parlé des animaux et en rapport avec les actes de naissance, les diplômes, etc. Les documents aux officiels, voilà, les dossiers. On a donc demandé que chacun vienne dimanche avec ses documents officiels, yes, soit acte de naissance ou ton diplôme, ou bien les documents de ta société, on va prier sur ça, on va comment. Quelqu'un dit que vraiment, à la station, quelqu'un dit, prophète, quelqu'un dit ici en commentaire que hier c'était le chaos. C'était le chaos. Si c'était le chaos hier, aujourd'hui ça sera quoi? Il faut se poser la question. Donc, bien aimé, je t'exhorte ce jeudi au foyer Banjoun. Si tu n'as pas été là hier, je pense que l'occasion pour toi de te rattraper est arrivée. Et dimanche, palais de congrès, viens avec ton diplôme, on va prier sur ça. Viens avec ton acte de naissance, on va détruire les hôtels, les paroles maléfiques qui ont avec été dites. Tes dossiers. Avec tes dossiers, voilà. On va détruire les paroles de malédiction qui ont été dites dans le monde des ténèbres contre ta carrière, tes finances. Et ça se reflète sur les dossiers. Il a dit que les cafards et les souris passent leur temps à faire déposer des excréments sur des animaux rampants. Voilà, des excréments sur les diplômes, les actes de naissance, etc., etc. Les actes de mariage. On va prier pour cela et Dieu manifestera sa gloire. Donc, foyer Banjoun ce soir, 17h. Dimanche, à partir de 8h. Nous sommes au palais de congrès avec toutes nos familles pour le culte familial. Yes. On va se présenter. Et ce soir, chacun avait sa bouteille d'huile de faveur. Mm. Quand tu arrives au foyer Banjoun, rassure-toi d'avoir ta bouteille d'huile de faveur parce qu'on va utiliser ça pour briser le fondement de la sorcellerie avec. Yes. Rendez-vous est pris. Dimanche aussi, viens avec ta bouteille d'huile de faveur. Dans tous les cas, nous sommes en guerre. Que Dieu te bénisse. Détruis la fondation de la sorcellerie familiale et ancestrale. Rendez-vous tout à l'heure, foyer Banjoun, au nom de Jésus. Amen. Et il faut dire aux gens, s'il y a un animal qui est mort, filme-le, tu vas nous présenter le soir. Ah, c'est clair. Parce qu'à la fin, le prophète oui. a prononcé des jugements terribles sur les animaux sataniques qui troublent nos maisons et nos familles. Donc, oui. s'il y a eu un serpent mort, une oui. souris morte, un démon quelconque, filme-le ou quelque chose est sorti de toi. Oui, si Dieu vous a donné une délivrance mm-hmm. entre hier et aujourd'hui, mm-hmm. le soir, on vous donnera l'occasion de vous exprimer. Exactement. Et qu'on venez que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, bye. Shalom.